L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce samedi de la cinquième semaine du temps de carême, année liturgique A, lu par M. Lucien Béni Gogo de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bec-Likamin et le diacre Justin Dikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jérôme Anoumou Sassou de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs
avec toute leur révolte. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David règnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique de Jérémie, chapitre 31. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, chapitre 11, versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunissent donc le conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme a accompli un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était enfin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidaient de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montaient de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres, les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, les deux lectures d'aujourd'hui, à première vue, semblent avoir des thèmes très différents. La première a trait à la vision d'Ézéchiel concernant le rétablissement d'Israël après l'exil. Israël retournera sur la terre que Dieu lui a donnée et Dieu conclura avec lui une nouvelle alliance de paix. En revanche, Jean, dans l'Évangile, rapporte l'origine du complot visant à tuer Jésus. Cependant, si nous regardons de plus près, on s'aperçoit que ce qui relie les deux lectures, c'est la grande ironie de Jean. Comme les exégètes nous le disent, l'ironie est un élément caractéristique du style littéraire et théologique de saint Jean. Les mots et les événements ont continuellement un double sens. L'exemple en chapitre 3 de saint Jean, l'étonnement de Nicodème de se savoir régénéré. La Samaritaine qui désire l'eau vive pour éviter d'aller au pur dans le chapitre 4. Dans le chapitre 9 de saint Jean, la confusion entre ceux qui sont réellement aveugles et ceux qui ne le sont pas. Alors pour Dieu, en revanche, ils ont une signification très différente, symbolique et intérieure. En réalité,
Tout l'idéal de contemplation de Jean est là. La vie contemplative n'est pas de voir des choses extraordinaires, mais de voir les réalités les plus ordinaires avec les yeux de Dieu. L'ironie de Jean atteint son paroxysme dans l'évangile d'aujourd'hui. Caïphe dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Et il avait raison, même s'il ne savait pas lui-même ce qu'il disait. Caïphe voulait dire « Tue-le avant qu'il ne nous tue. » Ces paroles étaient vraies, dans un sens beaucoup plus profond. La mort de Jésus, qui humainement est non seulement une tragédie, mais également un grave péché pour Caïphe et ses complices, était le moyen de rétablir Israël en sa terre et d'établir la nouvelle alliance de paix d'Ézéchiel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous vivons dans un monde où tant de personnes sont divisées sur différents points. Mais tout effort que nous faisons pour passer de leur côté, pour rencontrer ceux qui sont différents de nous et pour essayer de les comprendre est une participation à cette œuvre du Seigneur qui est de rassembler les fils dispersés de Dieu. Que le Seigneur aide chacun de nous à construire un pont pour permettre l'unité prônée par le Christ. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24, en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.